Aujourd'hui, on va parler de 10 jeux qui ont totalement disparu, que plus personne n'en parle. Première position, bien sûr, vous l'aurez peut-être remarqué, mais c'est Rider. Jeu assez cool quand même, pas ce mytho, mais que plus personne parle. Je sais même pas s'il y a encore des personnes qui y jouent. Je suis vraiment nul. Mais franchement, ça fait longtemps que j'ai plus joué, franchement. Ce jeu, il est quand même cool, hein. En 9e position, on a le jeu Geometry Dash. Désolé, il est un peu de travers, hein. C'est un jeu que j'ai énormément joué. Ouais, t'inquiète, c'est normal. En fait, la musique, elle est trop entraînante. J'adore ce jeu. D'ailleurs, ce jeu, il existe en payant, mais aussi en gratuit, hein. En payant, t'as juste plus de fonctionnalités. Mais voilà quoi. En 8e position, on a le jeu Zombie Tsunami. Encore une fois, de travers. Mais franchement, il est incroyable ce jeu. Encore une fois, j'ai beaucoup tryhard dessus. Ça fait longtemps que je ne suis plus actif dessus. J'avais fait une vidéo il y a 3-4 mois sur ma chaîne. Pour ceux que ça intéresse, hein, c'est un petit YouTube Shorts. Rien d'autre à dire, on peut tout de suite passer à la prochaine appli. En 7e position, on a le Subway Surfer. Que moi aussi, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Et ça fait toujours plaisir de revoir ce jeu, quoi. Je vais peut-être vous apprendre une astuce, mais attendez, regardez. J'ai loupé. Crotte. Heureusement, j'avais le skate parce que sinon, j'aurais été dans la merde. Déjà, ça, tu peux passer à travers. Regarde. Yann, normalement, tu peux largement passer au-dessus d'un train. Ou pour Rota, quand ça va vite, c'est très. Voilà. Bon, plus rien à dire dessus. On passe au prochain. Le prochain jeu, le 6e, oublié, c'est Cup Europe. Vraiment, plus personne n'en parle, je sais pas pourquoi. Moi j'ai le payant, mais soit vous achetez, pas tous tu vois, mais... Mais je suis trop nul. Mais je suis trop nul. Ouais, bon, peu longtemps, hein. Et voilà, très assez bon jeu. Je suis pas fait trop. Voilà, mais on passe au jeu. Le prochain jeu, c'est bien sûr Roblox. Et énormément de jeux dessus, mais on voit de moins en moins ce jeu, comme s'il allait disparaître. J'ai pas trop grand chose à dire dessus. Parce qu'il y a souvent des gros problèmes de connexion. Ça, c'est un peu dommage en vrai pour ce jeu, mais. Pas grand chose à dire dessus. On passe au prochain jeu. Effectivement, il y a bien le jeu Pokémon. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Hein. Ah, voilà. Après, je sais que tu peux faire des lancers avec effet. Pour ceux qui savent pas, en fait, tu la secoues et après, c'est plus dur à viser, mais du coup, tu peux.
Je suis plus fort comme ça, mais. Et plus. Ah ouais, tiens, il s'échappe lui. Oh, j'ai failli le toucher. Je suis pas trop fort. Oh, il est déjà sorti. Je pense qu'on est sous accord, une hyperbole. Il est obligé de rester. Un, deux, et le dernier. Voilà, on l'a eu. Mais on est d'accord, il a quand même sa place. En quatrième position. Ou en cinquième. Non, cinquième position. Bien d'accord pour en dire qu'en quatrième position, on a forcément Angry Bird. Je suis désolé, mais c'est vrai. Plus personne n'en parle. Et pourtant, je sais pas, moi, quand j'étais gosse, j'aimais bien ce jeu. Franchement, j'adorais ce jeu quand j'étais petit. Rien à redire. Donc, on peut passer au prochain jeu. Après, bien sûr, on a ce jeu. Vu que je ne l'ai jamais eu, je vous mets l'extrait. C'est Klim, je sais plus le nom, mais il va bien en troisième position. Deuxième position, on a bien sûr Fruit Ninja. Qui parle encore de ce jeu? Sérieux. Il était incroyable ce jeu. Mais plus personne ne en parle. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Donc, il garde bien cette deuxième place du classement. Je trouve que voilà, il a mal vieilli. Franchement, rien à redire. C'était encore un petit extrait comme ça. On passe au prochain jeu. Il mérite la toute première place. Désolé encore qu'il soit de travers. Mais c'est Jackpot Joyride. Je suis désolé. Mais tout le monde en parlait. Tout le monde disait qu'il était incroyable et tout. Moi-même, j'y jouais tout le temps. Et ben. Il a totalement disparu. C'est pas qu'il est nul, mais voilà quoi. Non, je rigole. Il est incroyable ce jeu. Et comme ça, vous croyez pas, mais il est vraiment incroyable. Perso, j'adore ce jeu. Et je pense vraiment qu'il mérite, littéralement. Sa toute première place. Parce que franchement. Maintenant, si vous voulez d'autres jeux, dites-moi une partie 2 avec les jeux les plus joués ou les plus connus. Là, je laisse encore 2 minutes pour ce petit jeu-là. Il est quand même vachement dur, hein. Il va hyper vite celui-là. Bon. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. C'était les anciens jeux connus, oubliés. Allez, ciao, c'était Karl. Oh.
vibing. Dancing in my room.